is around, don't get caught in the mosh pits. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Fucking bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on my beam, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between, know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm buying their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running. You don't wanna follow me, no motherfucking running. Salut la team, c'est Suspect. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le match de la Dragon Campaign de la semaine dernière, le samedi. Comme d'habitude, je dois commenter en différé, étant donné que je récorde les matchs vachement tard, je peux pas les commenter au moment. Alors, on se retrouve contre deux alliances, AIS et 421. HIS qui vient du royaume 1416, du coup. Le royaume Aferas de Devil et tout ça, ça doit être une alliance ferme ou annexe. Avec vraiment un gros joueur dans leur alliance qui fait un peu tout le taf. Tac. Comme vous pouvez le voir, tac, il a pris directement la mine de cristal. Il a vraiment des bonnes stats. Alors c'est une alliance à 1G4 et l'autre alliance à 900 millions, mais ils monteront quasiment à 1G4 aussi. Donc c'est un match à peu près équilibré quand même. À peu près équilibré, mais il y en a vraiment un qui est trop gros. Et ils ont vraiment du mal à faire quelque chose contre lui, même s'il n'a pas des défensifs énormes. Ils ont beau ici, là, comme vous pouvez le voir, et utiliser les boosts de CD, ils ont du mal à le sortir quand même. Alors, comme on peut voir, ils ont lancé des rallyes sur l'armurerie. 900k, ah, on peut pas voir les troupes, c'est embêtant. Ça, je trouve qu'on puisse pas voir les troupes ralliées, ça pourrait nous donner un ordre d'idée sur la défaite déjà. Alors, tac, regardons, tac, ils ont pris une grosse cape, 1,2 million. Le mec a des stats vraiment pas mal, 127-121, l'autre il a 75. Oui, ils ont, en plus ils ont utilisé les boosts de la Dragon Campaign pour être sûr de gagner. Alors, camp d'entraînement, voyons, est-ce qu'ils ont fait quelque chose sur le camp d'entraînement? D'accord, donc celui qui a des stats, celui qui est là, 841 000. Alors, voyons voir l'armurerie. Hop, toujours la même def que tout à l'heure. Ils ont remis un rallye dessus. 1,7 million. Ils ont pris une grosse crêpe aussi. Tristesse. Ouais, 53 offensifs, c'est compliqué. Parce que même s'ils ont puissance équivalente, il y a vraiment des meilleurs. Celui-là, c'est le joueur qui est vraiment strong. 500 millions de puissance. Alors, comme on peut voir, voilà les points. Hop. HIS est vraiment au-dessus pour l'instant. Même si on voit, ce qui est intéressant quand même sur ce match, c'est que même si ils sont vraiment au-dessus, ils essayent quand même de persévérer et d'essayer de gagner, quoi. C'est vraiment... Alors voilà les stats, 1,536, 1,548. Il a vraiment de très bonnes attaques. C'est juste ses PV qui sont un peu faibles à mon avis. Et ses offensifs, 99-90, c'est vraiment super faible, je trouve quand même. Pour les attaques qu'il a et les défenses qu'il a, je trouve que c'est assez faible. 77 dégâts archers, c'est pas mal. 936 chars. Il a vraiment de très bonnes attaques et défenses. Alors là ils ont essayé, il a essayé de taper dessus un investisseur, un peu moins de 1000 d'attaque, 280 PV, 94 offensifs, et même l'autre il a des boosts CD, pourtant c'était quand même chaud alors qu'il y avait 500 contre 3 millions. Direct, là le mec il a sorti tout seul du point de ravitaillement. Alors ça y est, ils se sont décidés, ils ont lancé deux rallyes sur la mine de cristal. C'est ça que je disais, je trouve ça vachement bien quand même, parce que même s'ils sont vraiment beaucoup plus faibles que le plus gros, ils se motivent quand même à essayer de gagner, à essayer de prendre les plus gros bâtiments. C'est vraiment intéressant comme combat, même si c'est deux alliances faibles. Alors, tac, les deux ralliements, 2,4 millions, il est full. Et
Est-ce qu'ils vont réussir à le prendre? Le premier a l'air de pas être passé. La mine de cristal a échoué. Putain, ils ont perdu 19 millions, il a perdu 3 millions. Ça va être compliqué pour eux, je pense. J'ai pas vu le deuxième rallye. Tac. Ils avaient réussi à le reprendre avec deux rallyes. Mais le gros a relancé et vu qu'il a vraiment des stats supérieurs à tout le monde. Avec juste un petit rallye de 2 millions, ils l'ont sorti super facilement, c'est dommage. Il est 85, il a vraiment des bonnes stats. Bon, c'est vraiment ses offensifs 99-90, c'est vraiment faible, c'est dommage. Alors là, ils ont lancé deux rallyes en même temps du coup. Le premier qui passe pas, c'est dommage. Et le deuxième. Ah, il passe. C'est super. Comme quoi, même si le mec est strong en face, ils essayent vraiment de... 16 millions à 10 millions. Ouais, c'était serré quand même. 1010, 825. 116 offensifs. 129 défensifs reçus. Et celui-là, il est passé du coup. Celui-là, 2 millions à 4 millions. D'accord. Les stats du lanceur sont vraiment pas top, c'est pour ça que. Alors voilà, comme je vous disais, hop, 420. L'alliance, elle a 4G. 1G4, pardon. Et l'alliance HVS, elle a 1G492. Donc c'est quand même quelque chose d'assez équilibré, mais malgré que le plus gros est 500 millions et de l'autre côté est 250 millions. Alors voilà, le ralliement est lancé sur la mine de cristal étant donné qu'ils ont réussi à la reprendre. Et repris du premier coup et la refoule direct. Alors le rapport, siège réussi, trou perdu 500K, trou perdu 2 millions 2. Bon ben voilà quoi. 1192, 999, il a vraiment vraiment de très belles attaques. C'est dommage qu'il soit si faible en offensif. Ses PV aussi sont un peu légers je trouve. Alors ralliement lancé sur l'armurerie. Avec 2004 full comme tout à l'heure, il est parti, il arrive à échouer, ils l'ont raté. Alors le rapport, tout perdu, 2 millions 2 contre 800 millions 800 k. D'accord. Le mec est vraiment pas mauvais aussi sur qui tient ce bâtiment là aussi, 131 défensif et l'autre à 104-106. Alors, un autre ralliement de lancé. Hop. Trop perdu, 19 millions. Hop. Ils sont crêpés, une crêpe encore. Là, je pense que ça commence à peser sur le moral. On commence à arriver vers la fin. Ils voient qu'ils arrivent plus à prendre les bâtiments. Même si la plupart sont restés et essayent quand même de se battre. Trois ralliements de lancé. Un full avec toujours le même qui a lancé, 2 millions 4. Un autre avec 2 millions 142. Et l'autre avec 1 million 9. Full aussi. Alors, 19 millions, 3 millions 1. Ah, là, ça devient trop compliqué, ils n'y arriveront pas. Perdu 17 millions, perdu 1 million 7. Et ils passent pas non plus. 15 millions 6 à 1 million 6. Alors on se retrouve du coup, il reste 7 minutes, bon l'alliance s'est quand même bien battue, mais bon l'autre avec 150 millions lors de 53, il aura vraiment fait le travail pour son équipe. On se retrouve avec 4500 points contre 2600, c'est quand même pas trop mal, sachant qu'il y avait vraiment un déséquilibre. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur la campagne Dragon. Comme je vous ai dit, c'est Coq qui nous ont donné des passes pour pouvoir filmer les matchs qu'on voulait. Bon, malheureusement, il y a encore un petit problème, on ne peut pas filmer tous les matchs, on n'a pas accès à tous les matchs, mais normalement, dans une ou deux semaines, on pourra filmer exactement tous les matchs qu'on voudra, donc ça pourra être plus intéressant.